Coucou, c'est Candice Pascal. Est-ce que vous voulez savoir ce qu'il y a dans mon iPhone? Écoutez, c'est parti avec Apps TV. Apps TV rencontre la danseuse, chorégraphe et comédienne Candice Pascal. Sur la scène depuis son plus jeune âge, elle ne la quitte plus et participe à plusieurs reprises à l'émission Danse avec les stars sur TF1. Et aujourd'hui, pour Apps TV, Candice nous ouvre son smartphone. Je suis accro à mon téléphone. Je crois que qui ne l'est pas au jour d'aujourd'hui, c'est mon réveil. Je me lève le matin avec et je me couche avec. Oh! Je dirais, franchement, ils sont tous accros à leur téléphone. Mais Chris est accro à son téléphone. Grégoire aussi. Voilà. C'est vraiment les noms qui viennent par hasard parce que, encore une fois, on est tous à fond quoi, dessus. Elle est bien parce que, après, je ne suis pas une spécialiste, mais elle est bien parce que je crois que les gens peuvent se relayer les infos, en fait. Donc, c'est de l'instantané et voilà. Donc, on est au courant du trafic et à Paris, c'est super important. Par contre, j'ai beaucoup de photos, ouais. J'ai beaucoup de photos à tel point qu'à chaque fois, j'oublie de vider mon iPhone et je me retrouve bloquée parce qu'il faut que j'en efface. Donc, ça, c'est dommage. Candy Crush ou 4 images un mot? Alors, vu que je connais pas le deuxième, on va dire le premier. Candy Crush. Facebook ou Twitter? Twitter maintenant. WhatsApp ou Viber? WhatsApp. Morandini ou Pure Media? Morandini. RATP ou Uber? Uber. Instagram ou Snapchat? Insta. Adopte un mec ou Mythique? Ni l'un ni l'autre, heureusement. En fait, j'ai dû la télécharger un jour où je m'ennuyais, je sais pas. Mais non, j'adore les bouquins, mais je me suis vite rendu compte qu'en fait, je préfère avoir un livre en main plutôt qu'une application sur un téléphone. Malheureusement, il me quitte jamais, ouais. Pourtant, il faudrait que je déconnecte un petit peu, mais à la plage, j'ai essayé, mais non, il me le faut quand même. Je dirais pas une application, mais en tout cas, je regarde mes mails. Voilà. Bah, pas beaucoup. Je crois que j'ai pas beaucoup d'applications, mais... Ouais, j'en ai pas beaucoup. Je sais pas comment tu sais. Mais ouais, il faut absolument que je me mette sur Marmiton parce que j'hésitais entre ça et acheter un robot qui fait tout, mais on va commencer par Marmiton.